aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors du coup les amis, aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire? Comme vous avez pu le voir, nous sommes de retour dans notre bunker un petit peu secret, voilà, pour tenter d'échapper au tsunami. Parce que du coup voilà, le tsunami a donc frappé dans la ville. Et voilà, il y a de l'eau partout dans la ville apparemment. D'après le météorologue, d'après Rick aussi, voilà, qui était venu tout à l'heure. Mais là il est rentré chez lui parce qu'il est encore plus en sécurité apparemment chez lui. Et donc du coup voilà, on se retrouve, moi, Zacharia juste ici. Il y a tout de suite qui est en train de dormir. Oula, tout de suite tu te réveilles? Réveille-toi. Ok, et puis oula, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis là-bas du coup, non elle est pas là-bas. Ah, il y a Marina qui est en train de prendre sa douche. Non, regardez pas les enfants, il y a Marina qui se douche. Non, oh, Zach, Zach, j'ai dit vous regardez pas Marina, qu'est-ce que vous faites là? Non. Bref, en tout cas les amis, juste avant qu'on commence les deux, je compte sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification comme tu peux le voir juste ici. Le gros bouton rouge s'abonner, du coup il sert à s'abonner à la chaîne. Donc si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à le faire, ça me ferait trop plaisir. Mais la petite cloche d'ailleurs aussi si tu l'as pas fait. Et puis surtout, mets un gros pouce bleu parce qu'attention aujourd'hui les amis, objectif 50 likes sur la vidéo. Alors je sais pas si ça va être possible, mais franchement si vous arrivez, vous êtes trop fort. Je ferai une dédicace en tout cas à tous ceux qui like et qui s'abonnent à la chaîne. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, les amis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre. Voilà, cliquant sur le bouton rejoindre, voilà, comme ça vous deviendrez sponsor de la chaîne. Et puis vous savez quoi, vous aurez votre place dans la survie parce que votre lit sera donc situé juste ici à côté de Twitouille, hein. Twitouille, tu dormiras du coup avec les sponsors et tout, toi, non? Ouais, c'est ça, exact. Bon bah du coup voilà, si vous voulez dormir avec Twitouille et tout, et puis vous amuser avec nous dans le bunker, abonnez-vous et surtout devenez sponsor de la chaîne. Je ferai une dédicace à tous ceux qui deviennent sponsors et puis en plus comme ça vous ferez la survie avec nous. Ah, c'est bon, t'es là Marina? Oui. Bon, du coup, alors, ce qu'on va faire, je vous explique un petit peu aujourd'hui comment ça va se passer. Alors, en gros, aujourd'hui, je pense que du coup, vu que vous vous rappelez, on faisait à chaque fois des équipes de deux pour sortir dehors et tout. Là, vu qu'on est quatre, il y en a deux qui vont s'occuper de la maison et deux qui vont aller dehors. Et donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a Marina et moi, donc on va faire une équipe de deux et on va aller dehors, du coup, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et puis, du coup, ce qu'on va faire, c'est que Twitouille et Zach, vous deux, vous allez vous charger de rester ici, de garder bien la maison et surtout, pas de bêtises, hein. Non, t'inquiète pas. Je compte sur vous, hein. Zach, Twitouille, zéro bêtise, ok? Zéro. Allez, nickel, c'est bon. Zéro. Bon, avant qu'on sorte dehors, Marina, ce que je propose, c'est que tu ailles chercher, tu sais, vite fait des armes. Il y a des armes à côté. Ouais. En attendant, moi, j'ai juste vite fait faire une petite pub de mes réseaux sociaux. Donc, les amis, évidemment, le temps que Marina cherche les armes, n'hésitez pas dès maintenant à venir me suivre sur Snapchat, Instagram. Donc, voilà, mon Snapchat juste ici. Voilà, mon petit Snapcode pour ceux qui veulent m'ajouter. Voilà, ça me ferait trop plaisir. Je réponds évidemment à tous les messages. Voilà, ici, il y a mon Instagram aussi, TwinnerYT. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à tous venir me suivre. Je ferai une dédicace à tous les nouvelles personnes qui me suivent aujourd'hui. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, et puis d'ailleurs si vous jouez à Fortnite comme Twitouille ou même Zach, venez aussi me mettre mon code créateur sur Fortnite. Voilà, c'est Twinner. Évidemment, si vous mettez mon code créateur, vous allez devenir super fort. Eh, c'est qui avait dit que si mettez mon code créateur, il serait fort déjà? C'est Twitouille, c'est Zach? C'est moi. C'est toi? Ouais, parce que toi tu joues à Fortnite, c'est vrai, non? Oui, et je peux jouer à tous les sponsors aussi. Ah ouais, tu joues avec tous les sponsors. Donc si jamais vous voulez jouer avec Twitouille à Fortnite, devenez sponsor à la chaîne. En plus, il est trop fort à Fortnite et tout. Il pourra vous apprendre plein de trucs. Ouais. C'est quoi ça? Oula, ouais, non, ça, ça, non, bois pas. Eh, Marina, Marina, il y a Twitouille qui boit de la bière là. Marina, vite. Mais qu'est-ce que tu fais, Twitouille? Mets-lui une gifle, mets-lui une baffe. Allez, hop là, allez, rentre tout de suite la bière là. Il n'y a pas de bière qui tient ici. Voilà, tiens, merci. Mais il y en a plus dedans, j'ai tout. Bon, allez, Twinner, tiens. Bon, du coup, restez ici, s'il vous plaît. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, profitez-en pour faire des vidéos Minecraft, ok? Ouais, voilà, allez, salut. Salut, c'est ça. Salut, Isaac. Bon, allez, à partir du moment où on devrait plus entendre, voilà, ils sont en train de faire des vidéos. Ok, alors, donc, du coup, voilà, ça, c'est mon équipement, du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a les chargés d'armes? Oui, fais attention. Ouais, bon, on va pas essayer ici, parce qu'à un moment donné, tu dis la vérité. Alors, par contre, toi, t'as pas d'équipement? Ah, moi aussi je peux respirer sous l'eau. Ah ouais, c'est vrai que t'es une sirène, donc t'as pas besoin. Ok, donc allez, c'est parti, moi je vais directement mettre l'équipement. J'ai pris une arme, on sait jamais. Ouais, t'as pris quand même une arme, on est jamais trop sûr dans tous les cas, donc du coup voilà. Alors par rapport les amis, en tout cas au trophée YouTube, voilà, vous avez été très nombreux à me dire comme quoi vous pensez que c'est le trophée du cosmos. Alors toi Marina, tu pensais que c'était lequel, celui de la salle, de Squeezie ou du cosmos toi? Moi je pensais que c'était déjà le Squeezie, mais apparemment celui du cosmos. Ouais, bon bah du coup voilà, mettez dans les commentaires, vous pensez que c'est le trophée à qui celui-là, parce que apparemment c'est le trophée soit du Squeezie, soit du cosmos, ou soit de la salle. Mais si vous pensez que c'est encore YouTubeur, mettez-le moi dans les commentaires. Bon, et eh bien du coup, viens Marina, on va partir dehors. C'est parti. On va aller voir du coup comment ça se passe un petit peu. Oui. Bah, du coup, attends, juste avant. Ouais. Danse de la protection. Allez, danse de la protection. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y. Bon, du coup, c'est bon, la petite danse a été faite. Alors, pour les armes, t'as quoi comme arme déjà toi?
Moi c'est comme ça. Wouah. Eh attends, attends. Ce qu'on va faire c'est qu'avant qu'on aille dehors pour aller demander de l'aide, on va vite faire aller tester les armes au stand de tir, ça te dit, parce que je suis pas sûr qu'elles soient ouf, tu vois. D'ailleurs au stand de tir, il devrait peut-être y avoir l'autre là, le monsieur Ben là, tu sais. Ah ouais, Benjamin. Allez, vas-y, viens. Allez, on va au stand de tir, les amis, on se retrouve. Ouah, l'eau, elle a pas baissé encore. Hein. Ouais, l'eau, elle a toujours pas baissé de niveau. Peut-être que, si on est sur le toit, ça se trouve, on pourrait avoir un visu de l'extérieur. Ah pour oui, voir. Peut-être. Bah écoute, peut-être. On va faire ça juste après le stand de tir, on fait on ça, va ok. Tester les armes. Ouais. Ok, on va aller tester nos armes, c'est parti. Oui. Bon, allez, let's go, les amis, on va partir directement au stand de tir avant qu'on aille voir du coup sur le toit comment ça se présente et tout. Et peut-être que, tu sais que j'ai cru établir un enfin, j'ai établi un contact avec un aviateur, donc c'est quelqu'un, tu sais, qui gère les avions et tout. Et peut-être, je dis peut-être que si possible, et il pourrait venir avec un avion, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais bon, on serait sauvé, on en tout cas, partir voilà, de là. Faut que tous les gens regardent la vidéo jusqu'à la fin parce que peut-être qu'à la fin on pourra sortir d'ici. Mais, trop bien. Imagine si on arrive à avoir un avion, tu penses qu'on pourrait partir où, toi? Sur la lune. Sur la lune. Je pense pas qu'on va avoir assez de kérosène pour aller jusqu'à la lune. Oula, voilà. Ah, je crois qu'il y a l'armurier qui est en train de tirer là. Non, il y a Benjamin. Sur une île déserte. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, ça peut être stylé ça, ouais. Bon, vas-y, on va aller toquer chez Benjamin. Du coup, Marina, je toque, tu toques. On fait comment là? On s'organise comment? Toque. Ok, vas-y, je toque. Oula, par contre, toi, tu nous suis avec les armes là. J'ai un peu peur là. Vas-y, on va toquer. Oula. Oui. Oula. Ah, salut Benjamin, comment tu vas? Ça va et toi tu nerfs? Ouais bah écoute ça super, tu fais quoi de beau là? Bah rien, je regardais Minecraft. Ah ouais tu regardais Minecraft, ok, ouais, super, ouais. Ok. Bon, du coup Benjamin, alors tu sais aujourd'hui on vient de voir et tout par rapport au, tu sais, le gros problème qu'il y a avec le tsunami et tout, enfin c'est grave ce qui se passe actuellement. Non. Ouais, très très grave. Comment ça bof? Bah on s'en fiche un peu, c'est que de l'eau. Quoi? C'est vrai qu'il est pas monté à la surface. Attends, je crois que t'as pas vu qu'est-ce qui se passait en haut, toi. Je crois que t'as pas vu. Je m'en fiche. Attends, mais t'inquiète là. Bah, on est là pour tester les armes. Pour acheter des armes. Enfin, on est là déjà d'une pour essayer les armes qu'on a parce qu'on a quelques armes. On sait pas si les balles marchent toujours. Et surtout, j'ai cru comprendre comme quoi t'avais de la nouveauté par rapport aux armes. Donc on voulait aller voir un petit peu ce que t'avais, genre. Ouais, bah écoute, ça c'est ma toute nouvelle. Attends, fais voir ta toute nouvelle. Ah, oh ouais. Mitraillette, on dirait qu'elle tire des clous la mitraillette carrément, elle est trop puissante. Elle tire des clous. Et là, regarde, c'est un petit sniper ça. Avec un laser. Ah ouais, on peut l'essayer, j'ai envie de l'essayer. Ouais, tiens. Y'a quoi d'autre? Alors par contre, il est dans sa première main, fais gaffe. Hop, ok, alors fais voir un petit peu. Ah ouais, d'accord. Attendez, ah ouais, ça casse le verre et tout. Bon, allez, ça on va pas utiliser les amis, c'est trop puissant je pense. Allez, on va ranger ça. Alors du coup, par contre, moi j'ai envie de tester ça. T'as envie de tester quoi toi? Ah oui ça. Oh, tire une balle pour voir. C'est petit mais ça fait mal hein. Wouah. Attends, Star Wars. Attends Marina, essaye celle-là, je sais pas c'est quoi ça. Ah. Essaye ça. Vas-y. Alors par contre tu te vois pas avec. Oh là. Vas-y. Alors attends. Essaye pour voir là. Ouais. Wouah. C'est une tronçonneuse. Oh les gars. Les gars, regardez, elle a cassé la porte avec un tronçonneuse. Attends, laisse-moi essayer pour voir la tronçonneuse. Tiens. Attends, mais c'est une dinguerie la tronçonneuse. Waouh, ça a cassé la porte. Regarde. Mais c'est trop puissant. Attends, mais tu casses les blocs monsieur avec. Benjamin, regardez ce qu'on peut faire avec la tronçonneuse, regardez. Ah bah oui. Après, moi, j'ai cette préférence pour celle-ci, c'est pour tirer de loin, regardez. Regarde bien la cible. Ouais. T'es prêt? Attendez, vas-y. Ah ouais, d'accord, on tire directement dans le mille. Bon, Marina, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester les armes. On va essayer d'en acheter quelques-unes et puis après, on part directement dans l'endroit avec, du coup, où il y avait mon fils et puis où il y avait Zach. Et puis après, une fois... Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui, là. Lui, ça peut être un... C'est vrai qu'il peut avoir des grosses oreilles un peu. Vas-y, viens. On va tester les armes. Bon, du coup, là, juste ici, on a des armes. Vas-y, commence à tirer, du coup, toi. Vas-y, tu fais... Ce que tu fais, c'est que tu essayes de tirer, genre, 2-3 balles sur chaque cible et... Tu fais un peu un mouvement comme ça, tu fais... Regarde, je te montre un peu. Tu fais genre... Ok, vas-y, allez, on te suit. Du coup, les amis, vous allez noter sur 20, après, bien évidemment, qui tirera le mieux entre moi et Marina. Donc, du coup, vas-y, Marina, commence. Allez, c'est parti. Vas-y, parti. Attention. Ah. Oh, ok. Ah. Ok, ça avance. Ok. Là, et... Oh voilà. Franchement, elle a un bon shoot, quand même. Hein. Pour une fille, pour une sirène... Ouais bah c'est une débutante après. Ouais bah c'est une débutante mais franchement elle se débrouille quand même mieux que des gens de ton équipe toi hein, Ben hein. Je vais pas en dire plus mais elle se débrouille mieux que des gens de ton équipe Benjamin. Moi je vais conseiller. Allez à mon tour. Bah du coup Benjamin tu diras c'est qui tire le mieux d'accord? Vas-y. Allez c'est parti donc du coup à mon tour les du coup tac. Wouah. Toutes les balles encore. Wouah 100%. Ok. Oh pas une balle loupée. Ok wow. Bon. Du coup alors on a tiré bien. Wow Benjamin tu t'es déguisé en quoi là? Tu t'es mis en cosplay regarde, de soldat?
Ah ouais, ouais d'accord. Bah j'aimerais toi je te connaissais plus sans cosplay toi, ou alors juste avec une ceinture toi, c'est tout hein. Ah bah ouais, ouais mais j'aime bien m'habiller aussi. Hein, t'as quoi? J'aime bien m'habiller, tu vois, j'aime pas trop les ceintures. T'aimes bien t'habiller? Moi je pensais que t'aimais bien tu sais, des ceintures bien équipées et tout, ouais, tu vois. Ouais, non, c'était pas Gucci, non, c'était un autre délire. Ah d'accord. Bon, okay. Du coup Benjamin, en tout cas merci pour tout ce petit conseil. La tronçonneuse Benjamin. On va t'acheter sûrement une petite arme, voilà. Alors on va t'acheter la tronçonneuse et puis on va voir un petit peu. Et le pistolet laser. Ah ouais c'est vrai, regarde, attends, il y a celle-là aussi. Je te dis l'arme que t'as là, elle est comme moi, elle est explosive. Vraiment. Ok. Vas-y, on va l'acheter. Alors si c'est explosif, on va l'acheter alors. Allez, on va l'acheter. Si c'est aussi explosif que Benjamin, ça devrait être cool. Allez, bah vas-y, merci en tout cas Benjamin. Merci, on se recapte très prochainement pour des nouveaux achats si t'as encore envie hein, avec le tsunami. Et puis on y va, ok. Allez, à plus Benjamin. Oh, ouais. Il est même pas drôle. C'est un malade lui hein. Bon allez vas-y. Il est explosif son arme, n'importe quoi. Bon allez vas-y viens. Bon, on va sur le toit. Marina, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de monter un petit peu en hauteur. Ah, viens, on va chercher les autres. Viens, on va juste essayer d'aller chercher Tweetweet quand même pour savoir. Ouais. Et puis, Tweetweet, je crois que si je me dis pas de bêtises, tu sais, dans la dernière vidéo, j'ai passé un numéro. C'était le numéro du coup d'un aviateur, tu vois. Et ça se trouve, qu'il l'a appelé et qu'il a des indices par rapport à l'aviateur. Ça se trouve, il a même donné rendez-vous carrément. Hein. Ça pourrait être trop bien. Ah bah oui, viens, on le rappelle. Bah, viens, on va appeler l'aviateur. On va descendre en bas et puis avec Tweetweet, on va essayer d'aller chercher l'aviateur. Ça pourrait être cool. Vas-y, viens. Ouais. Allez, c'est parti. On va descendre en bas. Attends, vas-y, descends. Ah, vas-y. Ok, vas-y, je descends. Hop là. Voilà, nickel. Bon, du coup, hop, on descend par ici. On descend là. Ah. Vas-y, tac, ferme bien les portes au cas où l'eau passe. Okay. Voilà. Bon, du coup, on est en bas. Allez, vas-y, on rentre là-dedans aussi. Tac. Voilà, nickel. Ok, alors, Tweetweet. Bon, tu penses que je peux enlever mon équipement? Je peux enlever mon équipement? Allez, on va enlever. Alors, tu faudra juste le remettre quand on sort. Hein. Ok, je le remettrai. Par contre, du coup, vu qu'on va peut-être sortir dehors et tout pour voir un aviateur, apparemment, parce que du coup, tu sais, j'ai légué la mission. Enfin, j'ai légué la tâche que Tweetweet s'occuperait de. Il s'occuperait de, tu sais, d'appeler l'aviateur et tout. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur le setup, il a appelé avec son téléphone et tout. Ah, et à mon avis, du coup, là, il a bien téléphoné l'aviateur et peut-être qu'on va avoir un rendez-vous pour du coup sortir de la maison. Bon, je sais pas. Mais alors, du coup, Tweetweet, il est pas là. Ah, il prend sa douche, il est en train de prendre Tweetweet. Allez, vas-y, on ressort, Vas-y, s'abonne-toi bien, on va parler juste après. Par contre, Zach il est passé où, Zach? Attends, cherche dans la poubelle, il traîne tout le temps dans la poubelle, lui. Attends, traîne la poubelle. Tweetweet, il est où, Zach? Il a dit qu'il partait parce qu'il en avait marre et qu'il avait peur. Quoi? Attends, mais il est parti où? Mais il sait que... Attends, mais tu sais que s'il est parti quelque part, il va mourir, hein, parce que si on... c'est que si on est ensemble qu'il va survivre, hein. Non, mais il doit être dans la maison, parce qu'il a dit qu'il le bunker. Lui, bon, écoutez, on verra bien durant la vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Bon, à mon avis, voilà, je pense que Zach, il est pas parti bien loin, on verra bien ça, du coup, durant la vidéo. Dans le grenier. Bon, du coup, Tweetweet, t'as bien fait la tâche que je t'ai demandé de faire, t'as appelé l'aviateur et tout, hein. Qui est, je l'ai appelé. Tu l'as appelé, c'est bon. Donc c'est bon, t'es en contact avec Johan, c'est ça? Ouais, avec Johan, Ok, nickel. Bon, c'est parfait. T'as pas eu un rendez-vous quoi, Tweetweet? Non, mais non. Mais un rendez-vous avec... Est-ce que Johan, il t'a donné rendez-vous? Parce que là, il faut vraiment absolument qu'on le voit. Je crois qu'il avait dit comme quoi... Je t'avais demandé, tu sais, que tu prennes un rendez-vous. Enfin, tu prennes un rendez-vous, que tu lui donnes rendez-vous sur le toit pour qu'on y aille tous ensemble. T'inquiète, il y est. Il y est déjà. Bah il doit y aller, en tout cas je sais pas s'il vient, mais il m'a dit qu'il serait. Il t'a donné à peu près quelle heure de rendez-vous, tu te rappelles? Dans 10 minutes à peu près. Dans 10 minutes, attends, là il est quelle heure les amis, on va aller voir vite fait l'heure. Alors je crois que j'avais une horloge, attends deux secondes, tac. Hop, lis vite fait sur ça parce que moi j'ai un peu du mal à la lecture. Il est quelle heure là? Il est 7h. 7h. Ok, bon du coup à 7h10 on doit être parti. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre le temps qu'il soit 7h10. Bah non, on va pas attendre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mieux, chercher. C'est mieux, on sait jamais si. Ouais, c'est parti, on sait jamais. Ça se trouve il pourrait y avoir des intempéries. Ouais. Et t'as parlé de trucs qu'il pourrait y avoir, de genre comme d'obstacles, trucs comme ça pour aller sur le toit? Oui, je crois il y a de la pierre ou des trucs comme ça bizarre. Ah ouais. Ah, il doit être à l'ancien bunker. Ah mais oui, c'est vrai. Oh, tu crois qu'on va avoir besoin d'aller dans l'ancien bunker?
Ah ben, je sais pas si y a de la pierre, ça peut être que là-bas. Hein. Ah mais oui, mais c'est clair. Bon, là les amis, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui comprennent pas ce que je suis en train de dire actuellement. Alors en gros, je vous explique un petit peu la situation. Donc vous savez, quand j'ai emménagé dans cette maison, j'ai créé du coup un bunker totalement secret que j'avais dit que je débloquerais uniquement en cas de réelle intempérie. Et donc du coup, comme vous avez pu voir aujourd'hui, c'est une réelle intempérie de malade, hein, on est obligé de l'utiliser. Et donc on va devoir prendre des pioches en bois, je crois, parce que c'est qu'avec ces matériaux qu'on les casse. Ouais. Hein. Et donc du coup, on va devoir prendre des pioches en bois pour casser justement la pierre. Et puis évidemment après on va pouvoir tenter de s'échapper par le toit si tout se passe bien. Et normalement de l'autre côté il devrait y avoir l'aviateur du coup Johan. Donc ouais. Bah, du coup on part tous du coup en direction de là-bas. Le élastico. Ouais exactement. Alors, je regarde s'il n'y a pas des pioches quelque part. Alors moi j'en ai. Là je vois pas. Ah si, regarde ici. Ah, là y en a. Là j'ai trouvé deux pioches là ici. Ah si, j'en ai pris une. Ok, j'en prends une aussi. Hop, voilà. Je la mets dans mon dos. Tac. Ok, parfait, vas-y, bah mets-la dans ton dos. Tiens, tu mets aussi la pioche dans ton dos pour l'instant. Hop. C'est bon, j'en ai une. Ouais, mais mets-la dans ton dos pour l'instant, tu la mets dans ton dos. Parfait, voilà. Vas-y. Moi aussi je la mets dans mon dos. Bon, du coup, je suis parti aussi à l'armurerie tout le temps qu'on se prépare. Alors, j'ai acheté une AK. J'ai acheté aussi un petit une petite tronçonneuse, t'as vu? Oh, et moi j'ai quoi? Et puis j'ai acheté un alien. Et par contre, fais très attention parce qu'il est très violent. Regarde, attends, juste pour te montrer. D'après l'histoire de Ben Twitwi, c'est le pistolet qui appartient à Usko 338. Oula, ah ouais. Ah, ok. Bon. Tire pas dessus, tiens. Ok, bon. Et d'après Ben aussi, le pistolet, il est explosif. Oula, stop. Ok, stop. Bon, par contre, il n'y a pas balles limitées, donc si jamais tu trouves 100 balles, bah écoute, bah c'est ton problème et tu vas mourir, ok? C'est aussi simple que ça. Ok, bah tu tires plus jusqu'à ce qu'on t'en donne pas la permission, parce que là c'est ça hein, ce que tu fais. Bon, t'as toujours ton arme à Marina, c'est bon? Attends, je vais voir quelle heure il est. Ouais, il est... 7h05. 7h05, ok, bon, on devrait peut-être se dépêcher si c'est le bunker, parce qu'on va prendre du temps à le casser. Allez, venez vite. Allez, refermez bien derrière toi. On a pas le temps de fermer les portes. Si, il faut toujours les fermer au cas où il y a un tsunami. Vas-y, dépêche-toi de fermer tout de suite. Allez, tu t'es fermé la porte vite. Bon, le dernier, ferme les portes. Il y a peut-être plus le temps en fait. Allez, tac, c'est parti, go, on part. Hop, on ferme ici. Tac, on ferme bien les portes. Allez, ferme. Dépêche. Hop, allez, c'est bon. Ok, bon, on va partir vers le bunker. Alors le bunker, il est là-haut, non? Ok, il est là-haut. Vous allez voir un petit peu. Coupure. Ok, bon, bah je crois que c'est par ici là. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, le bunker. Ça doit être juste en face. Je crois qu'il est là, hein. Ok. Ah ouais. Bon. Allez, c'est parti. Du coup, comment on fait? C'est les hommes qui travaillent et les femmes qui dirigent? Non, tout le monde travaille. Allez, tout le monde travaille. On y met tous du sien, les amis. C'est parti. Si on a trois sur le même muraille. Ah ouais. On devrait. Ah. Oula. C'est qui qui a tiré? Je sais pas du tout, mais ça va être l'animal qui est le chasseur. Bon, allez, c'est parti. On doit casser tous les blocs. On va casser tous les blocs là pour du coup arriver en haut du bunker. Donc let's go, hop. Oula, c'est qui tape sur qui là? Oula, allez, du coup c'est bon, allez, on continue à casser. C'est bon. Bon, du coup les amis, le bunker, comme vous avez pu le voir, a été donc du coup débouché. Voilà, c'était le bunker secret. Je vais vous montrer un petit peu comment il marche. Donc voilà, juste pour que vous puissiez voir. Oh, what, c'est qui lui? C'est l'aviateur. Ah, Johan. Bonjour monsieur. Voilà. Ah, salut, donc c'est toi le fameux Johan, c'est ça? Ouais, exactement. Ouah, wow, bah dis donc, Yann, tu faisais quoi là? Pourquoi tu tires? C'est pour éliminer l'eau. Attends, il vient de dire quoi là? Tu viens de dire que t'éliminer l'eau en tirant dessus? Bah ouais, regarde, attends. Ouah. Oh, mais le pire, c'est qu'il a raison, regardez l'eau, elle est en train de descendre de niveau. Par contre, les amis, ici ça craint parce que là, vers là-bas, je vois une vague d'eau énorme arriver. Ouais. Johan, du coup, bon, explique-nous un petit peu le plan là, j'ai pas trop capté. Expliquer, suivez-moi, vous allez voir. Attends. Okay. Non, ah, j'ai pas envie de te suivre, je veux quand même d'abord que tu nous expliques le plan, s'il te plaît. Explique-nous, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On va préparer 4 avions, on va pouvoir partir loin d'ici. Donc, il y a 4 avions qui ont été préparés pour partir loin d'ici, c'est ça? Exactement, juste pour vous. Ok. Et donc du coup tu sais à peu près où est-ce qu'on pourrait partir parce que je sais que toi tu connais des destinations de rêve. Non, je sais pas en fait. Bon, on ira. On va avancer tout droit. On ira le plus loin possible parce qu'on peut aller que le plus loin possible. J'espère qu'on va avoir assez d'essence pour aller tous le plus loin possible. Enfin cette kérosène. Oui. Vas-y, continue à tirer sur l'eau, vas-y. Bah venez, on va tous tirer sur l'eau, venez, tirez tous sur l'eau. Ok, on tire. Allez, vas-y, tu tire. Allez, on tire tous sur l'eau les amis, tac. Voilà, bon. Normalement, on va partir maintenant. Allez, on peut y aller, c'est bon. Bon, ok, bon, du coup, explique-nous un petit peu, c'est quoi là? C'est quoi le plan? C'est quoi ton plan, du coup? Je veux savoir. Bon.
Il y a les 4 avions juste ici là. Ok, donc ça c'est... Attends, mais attends, parce que, ok, moi je veux bien savoir piloter, Marina je pense qu'elle sait piloter, toi bon, toi t'es aviateur, tu dois être un pilote, un as de l'avion, mais alors là, il y a un petit loubar là ici, là, là on a un petit cassos là ici, donc je suis pas sûr que lui il sache faire... Attends, tu penses vraiment que lui il est capable de voguer sur un avion comme ça? Il peut préparer le pilotage automatique. Ah, il y a un pilotage automatique. Ah ouais. Ok, bon, à mon avis, s'il y a un pilotage automatique, c'est qu'il faut faire quelques réglages et tout. Donc s'il te plaît, si tu pouvais les faire maintenant, ce serait vraiment cool. Ce sera lequel du coup l'avion de mon fils? Parce que j'ai pas envie qu'il se retrouve à faire un gros accident et tout. Hein. Vérifie le niveau d'essence d'abord. Ah ouais. C'est pas lui. Ok. Du coup, l'avion de mon fils, il a beaucoup d'essence ou pas beaucoup? Non, je crois qu'il est vide. Ah mince, tous les avions sont vides là? Non, ils se sont remplis sauf lui. Ah d'accord, donc sauf lui, fais voir. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, du coup à peu près tous les avions sont vides sauf lui il est plein, c'est ça? Non, lui est vide, les autres sont remplis. Ah, tous les avions sont remplis à part lui. Ok, bon bah du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'on remplisse celui-là. Mettre le ça plein d'essence, mais allez, comment on va faire? Faut faire le plein, mais du coup comment on fait quoi? Attends, t'as une pompe à essence dans ta base comme ça? C'est un peu magique. Mais c'est notre toit. Oh, ouah, les gars, regardez, ouah, il est en train de remplir la pompe à essence. Ah ouais, il est vraiment fort, hein. T'es vraiment trop fort, Johan, hein, c'est vraiment, mais qu'est-ce que t'es fort. Je sais. Ouah. Merci. Bon, du coup, et après, on fait quoi? Oh, regardez. Oh, t'as pris le câble. J'ai pris le câble. Ah ouais, vas-y, va le mettre. Ah, mince, je suis parti trop loin. Attendez, on va récupérer. Attendez. Vas-y, essaye, Marina. Vas-y, Marina, fais voir. Ah bah non, on va trop loin. Tu dois bouger un peu l'avion. Attendez. Non, on va peut-être pas le bouger, attendez. Hop, attendez, peut-être que je vais arriver là. Hop. Oh oui, c'est bon, j'y arrive. Ouais. Ok, bon, du coup là, je remplis les amis comme vous avez pu le voir. Voilà, je sais pas si vous voyez, on remplit les amis l'avion là actuellement. Donc du coup voilà. Tu veux essayer de Allez. Tiens, je te laisse le remplir toi aussi. Toi, je sais que t'es très fort en remplissage de. Toi, je sais qu'à chaque fois que je vais faire les courses, tu remplis tout le temps la voiture. T'es trop fort. Allez, vas-y. Allez, vas-y, prends. Tu vas doucement. Pas trop vite. Sinon, tu vas pas y arriver. Attention. Voilà. Et là. Ah, ça y est. Nickel. Bon. Alors par contre, ce que je crois, c'est que les autres avions sont pas remplis, alors il va falloir avoir une autre technique, parce que t'as vu que là, le truc là, il est pas assez long. Ah oui, un jerrycan. Un jerrycan? Fais voir. Ah ouais, d'accord. Il y a des bidons. Bon, allez, on va récupérer des bidons. Alors, faut combien de bidons pour un avion à peu près, tu sais? Je crois que c'est 3, hein. 3, ok, bon allez, on va récupérer pas mal de bidons. Allez, venez, tout le monde se charge de remplir un avion. Allez, vas-y, toi Marina, tu fais celui-là. Tui, vas-y, bah, je te laisse t'occuper de lui. Ça, et puis moi, je fais celui-là. C'est parti du coup les amis, on va remplir du coup, comme vous avez pu le voir, on remplit du coup tranquillement d'essence l'avion. Donc du coup, voilà, on va le remplir tranquillement. Alors voilà, le premier pot a du coup été vidé, comme vous avez pu le voir. Attention, ok. Ah oui, Tui, c'est parce qu'en fait, ok. Tui, desnic et reclic droit, attaque. Resnick et clic droit, voilà, parfait. Voilà. Bon, tu fais gaffe du coup, ouais, surtout ça, très important, tu sneak pas quand tu remplis, voilà. Ok, bon, du coup, voilà les amis, alors, du coup, voilà, tous les avions sont remplis. Alors, j'imagine que du coup, Johan, ça va être le premier, parce que du coup, c'est lui qu'on va devoir suivre. Et puis, bah, après, s'en suivra de Tweetui, je pense. Marina, et puis moi, je serai tout derrière pour tous vous regarder, voir comment ça avance. Et du coup, voilà. Oh, vous voulez déjà qu'on décale, c'est... Ah oui, c'est... Oh, les amis, parce que l'eau commence vraiment à monter, là. L'eau commence à monter, faites voir. Oh là. Ah oui, les tirs, ils suffisent plus, là. Ah non. Bon, les amis, ça va être vraiment une dinguerie, les amis. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Eh, combien de likes, les amis, pour qu'on fasse la suite de cette vidéo où on est en avion et tout? Les amis, combien de likes? 53. Allez. Bon, 3 pouces bleus, les amis. Allez, les amis, vous avez entendu, 3 likes sur cette vidéo et je vous fais une partie 2 du coup où je vous présenterai du coup l'île dans laquelle on a atterri avec le pilote Johan qui est juste ici, mon fils Tweetui, ma copine Marina. Enfin, pardon. Oh, désolé, Marina. Marina, tout court, la sirène. Grave. Et puis du coup, moi, donc, vous êtes prêts? On va décoller? Allez, c'est parti. Tout le monde. C'est parti. Let's go. Décollage, les amis. On va enfin pouvoir s'enfuir du tsunami, les gars. Wouhou. Oula, alors Tweetui, là, tu voles un peu bas, je trouve, hein. Oula. Oula, alors Tweetui, les gars, je crois qu'il s'est pas très bien piloté par rapport aux autres, hein. Ah, si. C'est bon, il gère. Ah ouais, nickel. Tweetui, non, mais qu'est-ce qu'il fait, les gars, Tweetui? Oh, vite, venez rattraper Tweetui, les gars. Venez le rattraper. C'est bon, j'y suis arrivé. Ok, ça va, ouf. Bon, par contre, ça me dérange un peu parce que vous voulez quand même super bas, hein. Et remontez. Attendez, venez. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est venez vite fait. On va quand même survoler l'île une dernière fois parce que ça va être la dernière fois qu'on va la voir, hein. Enfin, pendant un bon bout de temps, ça sera la dernière fois qu'on verra la ville. Oh, mais what, il y a de l'eau partout, venez voir. Wow.
Venez voir, venez voir. Attendez, mais ils sont passés où Marina et tous les autres là? Où est-ce qu'ils sont allés les amis? Je les vois plus du tout. Ah c'est bon, j'en vois un là, je vois un avion, ok. Alors je sais pas c'est qui. Ah, oula, faites attention. Ok là j'en vois un deuxième, d'accord. Et oula, on a perdu un avion je crois. Bon ouais. C'est pas grave. Ok venez, on va aller voir vite. On va survoler la ville un petit peu, venez, venez, c'est parti. Allez, j'espère que la voiture, il va arriver aussi. Bon, et bien du coup, voilà, comme vous avez pu le voir, ça sera du coup la dernière vidéo pendant un petit bout de temps, voilà, le temps que le tsunami se calme dans la ville. Du coup, vous avez pu le voir, là, on est en train de survoler la ville, franchement, ça a été du coup des vidéos de dingue qu'on a fait ici, franchement, voilà. Bon, c'est quand même... ça fait quand même une petite peine au cœur, voilà, de devoir quitter la ville. Mais écoutez, voilà, c'est pour le bien. De nous et de toute la famille. Bref, en tout cas si la vidéo vous a plu dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu. Et puis du coup, si vous voulez voir la suite de cette vidéo, mettez la cloche de notification, parce que normalement elle sortira demain, voilà, où on arrivera du coup sur une île, si tout se passe bien, hein, je précise bien. Si tout se passe bien, ah tweetoui hein, toi je te vois à l'arrière là, tu t'avances déjà pas très bien là. Bref voilà, allez, sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et à la prochaine, allez, ciao ciao.